Ah ouais, là c'est allez, mets personne à mets les licornes. Moi ça ne mange pas les licornes rose, hein. C'est vachement beau. Bah allez, mais pour une équipe qui s'appelle Warzazat, moi ça me dérange pas, absolument pas. Ils sont plantés derrière les maisons de la grande rue. J'ai rien. Merde. Mets, recule un peu. Ouais, y a un chargeur de 30 cartouches en sac de pif, quasiment. Du coup, Tcherinkov, tu veux un hélicoptère de quelle couleur? En noir. Tout en bas, je te laisse comme ça alors. Après, tu fais ce que tu veux, m'en fous. J'ai pas de préférence. Hein. Sinon, j'aime bien moi les Ghostock sable, ils sont vachement bons. Ouais, un sable. Ouais. Ah oui, les sables ils sont pas mal. Ouais, alors le sable, ouais, je peux vous en faire un. Attendez. Ouais, puis je crois qu'on peut avoir. Au sable, tu vas dans chercher. Attends, mets-le en sable, okay, tu vois, enfin tu mets texture sable. Ah ouais, mais attends, il est pas. Ouais, c'est ça. Je me doute bien. Plus ça, normalement, Voilà, il est classe. Allez, tout le monde monte dans le nouvel Ghostock, on se dépêche. Prenez les munitions que vous avez posées dans l'ancien, Oh mais t'as... Ah putain... T'es marade. Oh oui, la caisse. Oh putain, ouais. Attends, mais ouais, on vit tous, vas-y tout, vas-y. T'es en chute au cas où ou pas dans l'hélicoptère? Non, parachute. Ah, parachute, je serais pas suffisamment haut pour que tu aies le temps de l'ouvrir normalement. Et puis même, non, vraiment ça pas rien. Les trousses à outils médicales devraient être en garde. Détecteur des murs. Premier secours, laissez-le dedans. Ouais, bah, je crois que c'est bon. Non, là, ça je garde, attends. Oh non. Pourquoi? Attends. En fait, on a... Allez, gars, transférez les munitions, les mecs, on dépêche. Yes, one train. Il reste deux roquettes. Ouais, deux roquettes et on se tire. Deux roquettes, un chargeur. En noir, il y a des munitions dedans, mais j'en ai déjà mis d'autres, hein, donc vous pouvez les laisser. Je fais juste un test. Ah, d'accord. Alors, j'ai oublié de faire ça. C'est toi qui a ouais. Ah bah il est plus sable. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté bleuté. Hein. Ouais, très stylé. C'est très stylé. Non, vraiment c'est hyper stylé, vas-y, on laisse. Bon, on a ramassé ce qu'il avait à ramasser. Ouais, non, c'est pas ça. Qu'on est bon. C'est à qui l'Asdar qui est dans la caisse? Toi. Il y a une Star 16 dans la caisse. La Star 16. La Spar. Ah, au pire, laisse-moi la Spar 16. Si j'ai besoin de me défendre. On est bon ? On est bon. Zed. Ok, t'as un point DZ à la pire sauce. Négatif. Bon, j'ai vu, je me pose dessus. Oh, si. Ouais, j'ai déplacé. Il a pété. Oh. Alors les gars, normalement pour Oreo Castro, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on fasse un assaut en même temps que tout le monde. Sauf que nous, vu qu'on est habillés tous à peu près pareil et qu'on va avancer en groupe, normalement on aura une aura. Mmh. On va briller comme des petits culs. Allez. Non voilà. Qui c'est qui nous a mis un chef comme ça? Oh mais encore, t'es pas au bout de ces surprises avec moi. Hein. Je suis très calme ce soir parce que sinon, attends, est-ce que je les ai encore? Oh zit. 2 km 5. Je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà entendu ce truc. J'aime bien. Sinon, c'est là que j'aime bien là. Comment tu fais ça en fait? Ou alors sinon, t'as ça. C'est avec des fichiers que tu enregistres dans un fichier son que tu fais dans ton profil là, sur Windows. Et après, du coup, tu avec les commandes comme pour le squad, bah, tu peux. Les kilomètres. Donner. Attention, messieurs, sérieux, on est à 800 mètres. Donc, Flying Roger, maintenant tu vas passer devant vu que t'as l'AMG. Walsy, tu restes derrière avec moi. Exode et Coco, vous mettez en second.
J'ai rien entendu. Alors écoute, j'ai rien entendu avec la musique que t'as balancée. Alors je disais Flying Roger, tu passes en premier. Coco ouais. Et Exod, vous êtes derrière. Wellsit avec moi, on est derrière. Ouais. Neflax, tu peux te mettre avec le. Tu, vu que tu es un peu sniper, tu es un peu autonome. Mais si tu okay. veux te mettre quelque part, essaye d'être devant. Ok, d'accord. Pas super plat, va falloir que vous descendiez au vol. Ouais, pas de problème. Non, par contre, essaye de. Mais juste prendre le côté. Voilà. Parfait. Ouais, c'est un peu haut là. Ok, okay. Standby, on attente plus loin. J'attends. 360 les gars. On est bon? Tout le monde ok? Soit on va bien. Plus des frites. Allez hop, on avance. On a fermé lui. Il n'y a plus personne. En fait. Flying Roger, attention, on a 6 minutes 230. On avance à 6 minutes 230. Je monte sur la. Je monte sur la colline. On reste en peu, on reste en peu. Attends, je suis avec qui moi du coup. Avec le squad lead, va redire un peu derrière moi aussi. Faut que tu te mettes derrière. Je me mets un peu à l'écart, ça gêne. Non, vas-y, c'est très bien. Les flax, si tu te mets comme. Fais-toi juste pas repérer. Comment chaud, okay. Est-ce qu'on avance avec pas de combat. Pour les trois devant, vous avancez au rythme que vous voulez. Donnez le rythme pour les trois. Restez bien en groupe. Avec Wallsy, nous on s'adapte. Ok, j'avance à me stabiliser. Et je suis posé, je suis en attente. Merci. Si tu veux, si les autres escouades, les autres hommes ont besoin de toi ou autre, et si tu veux t'occuper, il n'y a pas de souci. Je t'oblige pas. Ouais. Juste qu'ils prennent pas ce qu'il y a dans la pièce. Ouais, problème c'est ça en fait. Non, t'inquiète pas, je vais me poser là, je suis en attente, j'attends votre appel. Je vais faire un petit AFK et je reviens. 500 mètres de la cible. Bien sûr. Ouais. Allez, Walsy, on avance un peu plus vite pour les rattraper. Ils sont ouverts là. Ouais, moi, je vais plutôt vers les repérages. Faire un peu de repérage. Ouais. Ok, alors. Restez bien à couvert végétaux, les gars. J'ai un contact civil. Ok, contact civil, bien sûr. En vision aussi. Okay, 400. Il y a un contact armé avec son équipe derrière. 300. Contact imminent ou quoi? Ouais, non, 400 mètres, ils nous ont. Oula, c'est toute une escouade. Ok, arrête. Ok, ils sont 4, ils sont 8. Ils sont en colline, 4. Azimut 244. Ils sont 9. Passement vers nous. S'ils sont ils sont 10, vers nous, vous attendez 30 secondes, voici, tout le monde cover, tout le monde trouve une cover. Arme. Je vais avancer un peu pour avoir un cadre. Arme, main prête. Ouais, je me mets derrière le visuel. Derrière un arbre. Reste derrière un arbre. Ok, je suis prêt. Allez, fais-le. Il tient. Même pas la peine de descendre. On a été descendu. Deuxième est descendu. J'ai mis un point. MG, attention, traitez-moi cet MG, messieurs. Il me semble qu'elle est traitée. Non. Non, on est 4. Il reste là, deux hommes. Une smoke a été craquée, confirmez-moi. Je recharge. Il reste deux hommes. 2-1 abattu, il reste un. Net, j'en ai vu un partir à la crête, je sais pas s'il est passé par. Non, c'est bon, je vois plus rien de mon côté. Max, tu vois rien? Non, négatif. Pour moi, ils sont tous morts. On reprend en progression, vous recollez sur vos postes. Ok, je demande permission d'avancer au rocher suivant. Ok. Allez. Je continue sur le. Ouais, faites attention, maintenant on est repéré, soit nous enlever des ennemis. J'ai un contact à un homme à la fenêtre d'un bâtiment, à 300 mètres. Okay. Tu peux traiter? Affirmatif. Traite. Neflax, tu peux te mettre en open fire. À tous, vous pouvez tous tirer dès que vous avez contact, mais annoncez-les avant pour pas que ça nous surprenne. Vous annoncez, vous tirez. 200 mètres de la cible. Quand on annonce, on dit contact, c'est ça?
Voilà, contact, tu donnes l'azimut approximatif ou la direction ou un bâtiment et après tu tires. Ok. Et tu le dis quand tu l'as traité qu'on ne s'en occupe pas derrière. Ok. Et tant qu'il n'y a rien de nouveau en place. Mon tas de téléco s'allier. Toi, Léon, bien en approche. Ils viennent sur notre zone d'opération. Non, ils passent à côté. Ok, visuel audio, IV. 115 mètres de la cible. Merci. C'est le survol, attention. Attention, okay, l'homme à la fenêtre a été traité. Ok, tous, on se fait un regroupement sauf Netflix et on va commencer à nettoyer les bâtiments. Attention, j'ai un homme traité sur une terrasse. Vas-y. Véhicule, un AT sur moi, s'il vous plaît, un AT sur moi. Exode, viens sur moi. Est-ce véhicule, que je peux tirer? Ok, véhicule repéré. Feu à volonté pour les AT. Wow. Ok, son tireur a été neutralisé. MG, tu me confirmes si t'as eu le conducteur? Négatif. Attends, je peux le voir. Attends. Merde, il a disparu. Il est derrière le bâtiment. Okay, il revient. Oui, là, c'est. Oui, là, c'est bon. Il est en face de moi. Ok, visuel. Il n'y a plus que le conducteur. Traité. Okay. On commence à avancer au niveau du bâtiment. Deux étages. Moi, je vais me décaler à gauche pour nettoyer la petite maison. Et il contact BTR. Salier. À tous, contact BTR, azimut 230, distance 750 mètres. BTR, tu me confirmes? Ouais. Wolf, gaffe, la baraque est à gauche, n'est pas. Le BTR, vous avez vu. Whitey, qu'est-ce que tu fais en avant? T'es médic? Pardon. Si tu vas quelque part, dis-le nous, comme ça nous on peut te couvrir. Tu peux attaquer, oui, mais faut. Je me fais engager. À l'étage, fais gaffe, attends. Bâtiment en pierre, un étage à côté du bâtiment en métal. Il y a quelqu'un à la fenêtre. Azimut 230. Ok. Oh putain. Ok, Tcharnikov, tu nous rejoins à Chimera, Wesley et tous ceux qui sont à terre. On a perdu le médic ? Ouais, on a perdu le médic. J'ai pris une seule et unique balle et vous y allez. J'arrive pas. La maison elle est clear du coup ou pas? La maison n'est pas clear. J'ai eu un homme à l'étage aussi. On clear la maison. Vous rejoignez si vous voulez. Est-ce qu'on a toujours un sniper ou pas? Oui. Oui, là c'est moi. Marc, mais. Sans rester, si vous pouvez avancer. Par vos propres moyens, avancez. Sinon, protégez-vous dans la baraque. Fais un check-up à la porte, sinon on va rester là. D'accord. Tu vois quelque chose? Prends pas ton vrai. Ok, j'ai un contact si vous voulez. Bâtiment pierre, azimut 240 de notre position. Par où? Attends, c'est... Juste, je t'entends pas. Attends. Ah bah attends, je vais... Sécurité. Non, tiens, il y a Sirta. Qu'est-ce qui se passe avec Sirta? Ils ont attaqué Sirta. Ah oui, ils ont attaqué Sirta. Du coup, les gars, Coco, il y a une balle. Ok, Coco, repop. Repop directement sur... Je suis toujours en attente. Flying, du coup, suis-moi, mais tranquille. Coco, respawn et rejoins-nous à, je sais pas, Chimera. Je n'ai aucun visuel sur la zone. Là. Ok, Exode, il est de la fenêtre, là, du bâtiment en pierre en face. Mais t'es censé être mort. Moi? Ah, c'est Flying qui parle. Oui. Je sais pas. Je suis quoi? Bon. Tu es mort, on t'a dit. Tcharnikov, tu te poses sur la question de Netflix? Ouais, c'est ce que je vais faire. Bâtiment en pierre blanche ou faux marron? En pierre marron, celui de droite. Tout à droite, il y a une fenêtre là. Tout à la droite? Fenêtre. Autorisation de faire feu à la gonade? Autorisation. Je suis désolé, j'amène une petite équipe depuis tout à l'heure sur les zones sur lesquelles vous n'êtes pas. Il y a le HMTT qui est en train de décoller et va pas tarder à se poser sur les zones de combat. Ok, est-ce qu'on progresse?
J'ai... Oui. Vous nous attendez, c'est votre call. Vas-y, on avance. Tranquillement. Comme ça, sinon on va devoir les attendre après. Enfin, ils vont devoir les attendre. Tranquille. Ah, bon. Couvert. Parachutage. Ok, je prends la droite. Couvert après couvert, flying. Hein. Ok, on se fait engager, je sais pas d'où. La fenêtre, c'est toujours la même fenêtre. Toujours la même ? Ouais, il me semble, j'ai vu de la fumée sortir de là-bas. Vous avez... J'ai un touriste dans mon... C'est ça, je confirme. Ah, confirmé pour le touriste, c'est pas grave. On se débrouille. Ok. Je vais. Ne spawn pas, on est bientôt arrivé. Je vais mettre... Flying. Est-ce que je vais supporter Flying ? Une demi-heure Ouais, va Nefas, super flying. Ok, je vais. Pour mettre. Je vais neutraliser plusieurs tangos. J'y vais. Je... Tu nous mets de l'autre côté de la colline. Hein. Ouais, non. Je vous ai mis. Je vous ai mis. J'ai neutralisé les deux tangos dans le bâtiment. Ok, tous ceux qui sont dans l'hélico, on fonce sur le blessé en cours. Hein. Négatif, non, négatif. Ouais. Il est à portée de quelqu'un. Attends, je vais. Attends, voici, attends-nous. Il fonce, mais pas tête baissée. Oh, mais dis que je suis pas gueule. Alors, attention. Pour info, j'ai plus que couvert. Le véhicule vient de despawn. Ok. J'arrive à retour. Sinon, on commence à partir en direction de Chimera. Si on doit faire pop Exode, tu attends pas 3 ans. Attends, mais je peux. Ouais, je peux le protéger. Fais le protéger. Sécuriser ça pousse. J'ai un contact là, au-dessus de toi, Fling Roger, sud là. 10 mètres, 20 mètres de toi. Ouais, tu l'as senti. TS. Discord. Ouais. C'est bon, je l'ai. Attention, je préviens, il y a un touriste. Faut faire attention à lui sur ce qu'il fait. De quoi ? Je sais si vous avez lui parler, Vince. Hein. Vince, ça va, il est. Il est sympathique, je sais. C'est juste pour. Je vais m'absenter quelques minutes, je reviens. Ok, il y a un contact que j'ai pris sur le global qu'on était en équipe restreinte. Ok, Exode. Il y avait un homme sur ta position, je l'ai abattu. Ok. Je vois plus rien. Vous aurez le temps d'aller jusqu'à Exode ou pas ? Moi, je suis là. Firme, s'il a un bon couvert, il peut. Ok, la smoke ne va pas se déployer. C'est pas grave. Coco, tu protèges Oasis. Oasis, tu vas soigner. Ok, Exode, on se dépêche. Tu restes avec moi, les flags. J'arrive. Fumigène si besoin. Je suis derrière toi. Le flag, on va pousser sur Flying Rogers. Ok. Merci Coco. Coco et White. Message reçu. Ok. Edzard de nouveau présent. Reçu. Tu veux vous recoller à tous, on va s'occuper de Flying Rogers. On a un prisonnier dans cette baraque. Ok. Je vais sur Flying. Wesley, attends, Wesley, aussi une équipe qui est pas sur votre position. Non, ça va. Oui, on va demander une extraction dans le village, mais pour l'instant, on est en train de finir de le nettoyer. Ah, la maison est claire. Coup de check, on est bon. Ouais. C'est bon. Position de Fling, c'est que ça. Ok, tu peux venir, Wesley. IED sur la route, je les amorce. Reçu. Attention à tous. Merci. De rien, c'est mon job. IED désamorcé. IED désamorcé, bien pris, bien joué. Récupéré. Du coup, il y a encore peut-être un homme planqué dans les petits bâtiments. Il y a un bâtiment. Il nous reste un bâtiment au bout de la route. Ah, là-bas, ouais. Faut aller la checker. Attends, Tchalikov, tu regardes sur position.
3 km en approche. Il y a des sur la route. Ah ouais. Il y a des sur la route. Attention, courez pas dessus, courez pas dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée de s'en approcher, hein. S'il y a encore un IA. Bah, faut pas que tout le monde soit dessus, sinon il va détecter trop de personnes et il pète quand il y a trop de personnes. Ok, je me mets derrière. J'ai pris le flambeau. Désamorcé. Okay. Ok, continuez votre progression sur le dernier bâtiment pour enclencher du corail. Récupérer. Je crois qu'il y a personne. Non, si, il y a. Il tient la porte, surtout. N'entrez pas, je vais lancer une grenade. Je peux passer à travers la porte. Ah, bah, tu grenade. On a tout de même. Oh, pardon. Wow. Mètre. On approche. Ok. Tu peux te poser au milieu des bâtiments si tu mets ton nez. Normalement, ça passe au niveau des pales. Je me pose au niveau de la route entre les deux, le bâtiment principal et là où vous êtes. Bien sûr. Mètre. Ouais, okay. Sur la fumée rouge. C'est bon. Oui. Ouais, je te dégage la zone. C'est le prisonnier qui est là-bas. Ouais, il est avec moi. Vous n'avez pas de pilote ? Pas de pilote. Extraction du prisonnier en cours, monsieur. 360, les gars. Ok, tout le monde monte. Laying, Rewolf, c'est bon, faut monter. Ok, on est verrouillé. L'exo, tu montes, après on est verrouillé. Pourquoi j'arrive pas à monter? Il est trop nombreux avec le mec. Non, il reste des places. Montez. Ok, petit problème, j'arrive pas à monter. Passe par l'autre côté du coup. Essaye de passer par l'autre côté. Ah, c'est bon, l'exo d'abord. Ok. Tu peux décoller, retour en base, on pose le prisonnier. Et après on voit ce qu'on fait, si on va aider sur Adjos Constantinos. Bien fan d'aller que vous alliez traiter la radio tower rapidement au sud de Je pose de les deux IED désamorcés dans la caisse, je récupère un HE et de la IED. Bien reçu. Bon, c'est dans les chargeurs, je pense. Contre-attaque en cours, mais je sais pas où est-ce qu'elle va. 7. Question, on a un chargeur 150 balles de 556 qui a l'air d'avoir été entamé, c'est à qui? Si c'est entamé, on dégage. Ok, bon, je récupère, je repack avec un chargeur que j'ai. Ah non, non, t'inquiète, je le prends. Ça, c'est pour moi. Tu prends? Ouais, je prends. Comment tu repacks? Réorganisation chargeur. Tout en haut de ton interface. Ah, je sais comment ça marche. Ouais, mais on peut pas le faire. Ouais, mais c'est moi qui ai posé la question à départ. Ah. Si en fait, si t'as deux chargeurs qui sont entamés, ça va te les ça va te remettre un chargeur complet, ça va te diminuer les balles dans l'autre. Par contre, il faut que ce soit dans ton sac ou dans ton gilet. Parce que ouais, si c'est... Attention, il va bientôt faire nu. Vérifiez dans vos inventaires que vous avez bien des JVN sur vous. Tu peux expliquer comment on fait pour la réorganisation. Alors, il faut tuer les deux chargeurs qui soient dans ton sac, dans ton gilet. Je sais comment c'est pour moi. Non, mais quelqu'un demande, donc je... Ah. Il faut absolument pas que ce soit dans ton arme. D'accord. Ensuite, en haut, tu as réorganisation chargeur. Tu cliques dessus, ça va automatiquement te réarmer un chargeur complet et l'autre, ça va te retirer les balles de dedans. Ok, et est-ce qu'il faut qu'ils soient tous les deux dans le gilet ou dans le... Il faut qu'ils soient autre part que dans ton arme, en fait. Okay, t'as toujours pas une info qui a été craquée, quoi. Tant mieux. Je serais d'avis d'aller faire la radio tour au sud de Rio Castro. Ouais, c'est ce qui était prévu. Où est-ce que tu vas nous poser? Oh, au dépôt. Oui, c'est pas mal, non? Ouais, mais faudra bien que tu passes par l'est pour pas activer. Dépôt, c'est faisable. On a légèrement une crevasse, oui. Puis ensuite on monte une à la colline. Je pense que radio tower, on pourra avoir le support à Irion.
on aura le drone sur balancer. Vous êtes prêts au départ nouveau, on va y aller. Guillaume, t'as moyen de retirer toutes les épaves qui traînent au sol à la fin, sur Chimera. Ouais, j'ai regardé. Parce qu'il y en a pas mal, hein, ça va faire ramer le serveur. Sur Chimera ? Ouais, sur Chimera, au niveau de l'Uron, du spawn d'Uron. Et bon ? Ah. Ouais, mais c'est les hélicos de Tchernkov, ça. Ça. Non, pas les hélicos. Les items. Les items, voilà, j'arrivais plus à trouver de nom. Qui sont posés au sol. C'est bon, j'ai tout le monde à bord ? Ah ouais, non, ce qui est posé par terre, je peux pas retirer. Hein. Non, ok. Non, une carcasse, ouais. Mais... Ouais, je les vois, ouais. Si, mine de rien, ça va faire je peux pas ramer le serveur, ça. Il me semble que c'est. Hein. Ince, si tu veux nous rejoindre, on est sur le Discord d'NGBC. Si tu. Ça fera une personne de plus dans l'escouade. Par contre, il va falloir que tu changes de tri. Bientôt 7 heures, hein. Ça va pas. Ah. Ça c'est. Moi, je présente le fil sur la zone, les gars, attention. Oh putain, j'ai envie de dormir. Attends, Pierre. Ouais. Allez, on va se faire enculer. Oh putain. Un spécialiste, tu avais avec ça. What? T'as la porte, mais t'es pas fermé ou quoi? Ok, anti-aérien, c'est un véhicule anti-aérien. J'ai pas eu le temps de décrocher. Et il m'était en face à moi. Oh la vache. Bon. Dessoudé quoi. Bon bah. C'était le jeu. Ah là, il m'a ouvert quoi. J'ai pas eu le temps de. Pas le temps de ouvert, c'est. On remarque que c'est au moment quand je commence à dire les conneries. N'attaquez pas le truc là. Oui. Hein? J'ai bien 7 heures à la douche. Arrêtez! Bon choix. Le ping rouge à Abdera Compound, c'est de là. Il me manque toujours une autre hier, je sais pas pourquoi. Du coup, hélico. S'il nous reste quelque chose, c'est ici. Fiam, on a un Emil Burn de présent. Ouais. Emil Burn. Bon. Oh, Emil Burn. Ouais. Mais... Deux armes ou pas pour les opérations nocturnes? Ouais, prenez. Ça sert très bien pour désigner là où ce que vous... Ouais. Emile Burn endommagé. Donc. Ah yes. Première réparation effectuée. Bah le problème c'est que la réparation c'est au niveau de là où je me suis dessoudé par là quoi. Ouais. Je viens de Guillaume fasse un petit... Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un petit cadeau. Oh, une petite répa. Non c'est que le signe qui est pété. Non. Vince il est encore écrasé par terre. Allez, on rentre dedans. Par contre on a de la place pour tout le monde. Ouais il y a assez de place à côté de moi normalement. Comment? Ah oui, il manque une place. Alors, c'est en c'est sur la fable. Non, mais attends, je vais aller en place. Pas mal. Mec, il y a que. Attends, on est combien? On est combien au non, sol? Non, c'est bon. On est 3, 6. On est pile poil. Ouais, il manque un peu basse. Bah, vous êtes où les gars? On est à la Chimera. On est sur base de Chimera. Parce qu'on est 7 personnes, il y a 7 personnes dans l'hôtel. Dans l'hôtel, excusez-moi, habitude. 7 personnes dans l'hélico. On est bon? Merci, Merci pour la répa. Les duos ont nettoyé les hélicoptères. Allez, on y va, on part. Par contre, éteignez vos lasers lorsqu'on est en vol. Ah, bah, s'il vous plaît, les lasers gauche. Y a un mec à gauche, en bande gauche, qui a son laser allumé. Vas-y, c'est toi. Et quoi? Quoi? Qui? Quoi? Un laser. Sur elle. Quoi? Attends. Mais quoi? Ton laser est allumé. Ah oui, merde. Oh, dégagé. Qu'est-ce que tu veux faire, Captain?
Dan il s'est fait dessouder par un truc qui l'a battu. Je me donne bien quoi. Alors il y a une contre-attaque mais il faut prendre deux. Donc, là il est pas très loin de là où on va aller. Là hein, par contre il est en déplacement ou alors il y a un. Oula. Ah, il est en déplacement, c'est le ping rouge sud-ouest d'Abdera. Comme je trouve qu'il passe vachement vite les collines par contre. Je t'assure c'est un arrêt, ça vient du sol le tir. Oui je dis pas le contraire mais il y a une chose au final. 2 km avant le dépôt. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une carte ou il y a que le leader des squads qui a le droit? T'as fait une carte. Ouais, une carte. À part si on l'a perdu en route mais. Ouais. Il y avait que le leader qui avait les squads qui avait la carte. D'accord, on a des ennemis qui sont tournés sur Pyrsos, donc on va devoir y retourner. Ouais. On va pas changer la LZ par contre. Plus le dépôt, ouais, c'est bien ici. Ouais. Et on va y aller. On va changer l'attaque. Donc faites attention, messieurs. On risque probablement une contre-attaque. Même formation que tout à l'heure. Et vous ouvrez dès qu'on pose au dépôt. Par contre, ça va être pas mal de dévers. On va monter et descendre les collines, les gars. Ouais. C'est bien la randonnée. Je peux pas le savoir, attention. Okay. Arma est quand même catégorisé sur. C'est parti. On a vu 113-114. On sort du bas des grillages et on y va. Ok, je pars devant. Yep. Je suis pas loin derrière. Je vois la marche du coup avec ma MG. Ouais, on va essayer de reculer un tout petit peu. Ouais, merde. Pourquoi j'ai. Mais non, c'est pas grave. j'ai pris le mauvais équipement. Ah oui, j'en vois ça. Ah. Ouais, je viens de voir ça aussi. Un traître dans nos rangs. Préparez-vous à l'abattre. Ah, oula, les tirs. Ça va être. Pas des munitions, un petit peu. Ça sert à rien de prendre son arme secondaire. On a 18 minutes pour y retourner à Pyrsos, on a le temps. Toute lumière des armes allumées, pour l'instant vous les pointez au sol, comme ça on saura où les gens tirent. Ouais, pour l'instant, je suis passé aussi, j'allume rien. J'ai contact escouade. attendez, contact escouade azimut 134 500 mètres. 134 500 mètres. Dans la forêt. Je passe en viseur nocturne. Je passe en thermique. Ok. Nouvelle azimut 145-146. Ouais, regardez les lasers. Mon laser. Ouais. Cette distance là, je suis 3, 4, 5, 6 contacts, c'est ça? Affirme. À cette distance là, ça va être dur d'engager correctement. En plus de nuit. Ouais. Je sais pas. On va les laisser partir. Attendez, Pyrsos n'est plus vulnérable. Par contre, faut le voir dans quel sens. Ils repartent, je pense. Et bah, ils vont vers le sud. Ok, on va les poursuivre. On va partir au niveau en azimut. 190 et on y va. On va partir 190, on va essayer de les poursuivre. Parce que ils ont traversé Pyrsos qui a activé la défense, mais ils se sont pas arrêtés. Ils se sont. Non. Attends, je vais rester en arrière. Ok. Je vais rester avec. C'est que dit qui reste en arrière. Mais t'as pas ça. Bah moi. Vas-y. Alors moi ça veut rien dire. Je dis quoi du coup? Ton pseudo. C'est Witty. Attention contact immédiat. Pas de référence. Azimut 120. Azimut 120, mon contact. Contact quoi? Ah oui, un char. Maintenant, on marche tous, armes levées, on fait attention.
Lorsqu'on va arriver au niveau de la route et des éoliennes, on va recroiser probablement le groupe qu'on a croisé à l'avance. Je passe un peu. En contact, ils vont être très proches. Passé devant, j'ai aucun contact pour l'instant. Petite question par contre, est-ce que tout le monde a la donne pour passer au-dessus des murs? Oui. Au-dessus des murs. Je l'ai, mais je l'ai pas. Bah, t'as pas mis les trucs du tout. BTR, Non, c'est pas BTR, c'est Tigris. Ouais, Tigris, effectivement. C'est celui qui m'a battu tout à l'heure. Ouais, il suit la route, il va passer devant nous, je sais pas si vous avez des mines. Oui, tout le monde éteint ses lasers, on se remet en discret. Juste, est-ce qu'il il suit la route, il est parti sur laquelle? J'ai sorti mon naté. Ouais. Je pense qu'il va. Attends. Affirme aussi, par contre, j'ai pas d'isuel là sur lui. Il est derrière les arbres. Ok, on va partir au niveau des éoliennes. Rewolf, tu vas passer droit dans devant son champ de tir. Je sais. Je garde mon lance-roquette en main, au cas où. Ouais, on va se mettre au niveau des éoliennes, on traverse. Wizzy, reste derrière. Je vais peut-être être comme ça. Ouais, j'ai. Contact audio. C'est bien. T'es sorti. Vous êtes par contre, je crois qu'il fait du off-road. Du off-road. Il est en off-road, contact audio sur la droite, avant. Droite. Droite avant, je dirais. Les éoliennes que t'entends. Peut-être l'éolienne. J'ai un moteur aussi. Ouais, le moteur du Tigris vient de s'allumer. Soldat au plein sud. J'aime bien quand il fait le bruit de l'éolienne. Les ennemis au plein sud. Ennemi plein sud, bien dans sûr. La forêt. Tu peux donner un azimut? Bah, plein sud. Ah oui. J'ai un visuel de deux équipes d'escouade. Une en azimut en 150 et une autre en azimut 290. J'ai engagé. Tu veux engager par où? Non, est-ce qu'on peut engager? Ah, d'accord. Tu veux engager sur quoi? Sur les squads? Mm-hmm. Allez, attends. Vous pouvez engager sur le squad. Je la désigne en laser pour ceux qui veulent qui l'ont pas vu. Distance. 537 mètres. Ok. Feu. Je suis le seul à les voir complètement bugué ou pas? Non, t'es pas le seul. Contact blindé azimut 192 2400 mètres. Hein? Niveau de la combien? 2400 mètres azimut 190. Il descend la montagne. 190. Dans les arbres? Ouais, dans les arbres. Ouais. C'est un. Ok, j'ai un début de thermique. Oui, c'est un BTR. BTR, il est derrière la colline. Ouais, il se dirige vers nous. Il y a un drop de véhicule. C'est... Sur qui tire? Moi. Tu vas te poser ou c'est quand là? Non, mais j'avais un contact. Ah, tu peux pas prévenir? Ah, pardon. deux contacts au même endroit que tout à l'heure. C'est moi. Vous pouvez arrêter de tirer sur moi, s'il vous plaît? Attendez, stoppez le feu. Ouais, t'es qu'à venir nous chercher, on nous a tous abandonnés. Hein. Alors déjà, c'est pas moi qui conduis. I'm making the pop, wait a moment, I will go for it. D'accord, c'est l'anglais. I'm making the pop. Okay, oh putain, Wizzy. Ok. Depuis longtemps, je mets tout le monde, terminé. C'est au même endroit que tout à l'heure, je les désigne les personnes laser maintenant. Et toi, t'as le BTR qui s'est arrêté en azimut 200, distance de 2200 mètres. Si vous avez le shot pour le BTR, prenez-le. 200, 2200 mètres, j'ai pas de visuel net. Il est derrière un arbre. Mais juste un sur l'arbre. Attends, au pire, file-moi ton truc. Je peux tirer?
Au pire, ouais, si Coco est là et que... Vas-y. Neutralisez. Non, attends. Ah, il s'est caché derrière la montagne. Mais il va revenir. Il a bougé. Contact, infanterie, distance 1200 mètres, azimut 200. 1250 mètres. C'est quoi azimut déjà? 200. C'est là-bas. Bon, monsieur, on va commencer à arrêter d'engager les personnes qui sont très loin. On va partir sur la radio tower 050-198. Ok. Merci. Mais après, je passe en train. Qui a fait ça? Oh là là là. Stop. No insulte. Yo, language. Je dis, Guillaume, en anglais? Ouais, s'il te plaît, ouais. Toi, il se passe quoi là? We understand, David. It's just a bunch of twats. Calm down, the administrator. If he understands everything, he's gonna take action. But calm down, please. Okay? I'm not going to shout. I was trying. Why did you do that? No, don't ask. They will never respond. Calm down, forget everything. Okay? Pourquoi va-t-il en avance? Je règle le jeu. Je lui ai dit que ça sert à rien qu'il pose des questions, qu'il allait personne à lui répondre, qu'il fallait qu'il se calme, et du coup, c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. Et on peut reprendre la progression, le jour est en train de se lever, donc si vous voulez enlever les lasers et night vision, c'est autorisé. Par contre, Guillaume, je pense qu'il y en a ouais, qu'ils ont posé une fable. Oui, mais je pense que tu peux la supprimer la fable. Non, même supprime là. J'y vais, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont posé une fable? Ça c'est pas très utile, ils ont pu la mettre au moins à l'aéroport quoi. Mais je crois qu'il voulait la mettre là, mais il s'est fait tirer dessus. Enfin, j'ai pas tout compris, ça parlait un peu trop vite, un peu trop fort. Ouais, oui, mais en fait il est parti avec la FOB sans prendre les joueurs, donc ça a énervé les joueurs. Bon, le mec il l'a construit un peu au mauvais endroit quoi. Donc là-bas y'a rien. Mais j'ai dit Musk était qui sont en train de revenir avec un transport aérien justement pour les mecs qui étaient au milieu de nulle part quoi. Ah oui d'accord, en fait le mec était vraiment parti monter dans l'Huron, j'ai le TP. Il y a un transport qui arrive sur le Huron, sur la HMTT. Il y en a deux là, c'est quoi ce truc? Oh. Ah oui, ok. GTP, le contact audio. Audio quoi? Où ça? Mais audio quoi? En fait, c'est juste que j'ai un contact audio à gauche, à ma gauche. Pécule, piéton. Ouais, j'en TP1 et puis l'autre. Il l'appelle. Antoine, je m'en bats les couilles! T'es chiant! Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je m'en bats les couilles de ce qu'il voilà. Alors, passe ça chez moi. Et je l'ai mis pas ça, c'est juste qu'il rentre comme ça et il me dit... C'était drôle, bon, si jamais, prenez une pause pour ceux qui sont devant, le temps qu'ils reviennent. Il suit toujours, hein. Je vais y aller. J'essaie de trouver son contact, mais je le vois pas. Hein. Bon, je dois aller me doucher et après. Je reviens après. C'est-à-dire que vous avez effectivement pas le droit de mourir. On va essayer de pas mourir. D'accord. Non, mais c'est que vous n'avez pas le droit. C'est un ordre, vous ne mourrez pas. Il est par terre, il a un trou de 200 mm dans le ventre. Tu meurs pas. Qu'est-ce que tu fais des fois qu'il faut autant de bruit? Je mange avec ce Hummingbird, je vais me poser à Chimera. Tu fais quand tu manges. Par contre, si jamais moi j'ai besoin de partir, j'ai eu rendez-vous pour sauter quelqu'un, donc je partirai. Je dirai merci. Je ne prendrai pas moi. Je préviens si jamais. Elle est juste en train de me sortir l'excuse, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, donc je veux pas faire un ciné, mais après, mais tu pourras peut-être venir après, donc tu vois, c'est... Je ne veux pas ciné, mais il y a la ciné peut-être de prévu, donc, mais... Encore là Ça spawn, contact juste à droite de l'antenne.
Toi, c'est contre, je suis à droite de l'antenne. Okay. Ah oui, pour ceux qui sont devant, attendez un peu parce que vous êtes déjà à 300 mètres de nous. Ok. Attends, on se met à un endroit un peu à couvert et. Ouais. Ce petit coin de forêt, ça me rappelle une fois que j'ai fait une escouade. On a fait une super attaque, c'était génial. Une escouade. Ok. Feu à volonté. On peut ouvrir. Feu à volonté. Dès que tu vois, tu tires. Et ensuite, attends, il y a un sniper, j'essaie de l'abattre. Contact au dieu aérien inconnu. C'est moi. Tu l'as vu en Azimut 300 flying. Les avions 300 là, ce qui dépassait leur tête. Je vous attends. Vas-y flying, repart sur les autres. Lesquels? On est en train de recoller. Là c'est le Huron qu'on entend je pense. J'ai deux contacts audio, il y en a un qui doit être allié, l'autre je sais pas. Il y a un Huron au sud. Ok, j'ai eu le sniper. Ok, on va reprendre progression, on est presque sur vous. Dans la direction pleine de l'antenne, il y a au moins une ou deux escouades. Ça, je suis cool. Tiens, je me posais la question, tu peux pas donner à Cherenkov un pony? Ok. Si, oui, complètement. Deuxième, je te remercie, mais non. Ah, t'as pas le pony. Non, enfin, pour le moment, j'aime bien les hélicos, j'aime bien tout ce qui est transport, mais tout ce qui est hélico d'attaque, je suis plus ou moins adreuse. T'es pareil. Me faire une phobe ennemie, ça gère. Mais, okay. Ouais. Attention les gars, on reste groupés. Origine inconnue. Flying, un peu plus à gauche, voilà. Très ok, bien. je vois de la fumée, c'est Akilin armé sur gauche. Merde, je suis mort. Pas à terre. J'ai pas eu le temps de. Chimera. Gunner à terre, Gunner ennemi à terre. On a Exode à terre. Et moi aussi. On a vous avez toujours pas de soigneur ou c'est bon? Bah non, toujours pas de soigneur, je pense. Le conducteur du véhicule à terre a été tiré dessus. On va pas le faire péter. On a deux casualty. Tu peux partir les chercher. C'est qui les pseudos? Il y a Exode. Exode, Neflax. Donc après, c'est tout? Coco. Oui, Coco. Ok, merci. Ah bah il fait puisqu'on n'est pas tous bon. Alors, faites attention, le véhicule a été neutralisé mais. Je suis un checker du véhicule. Attends, la radio tower, elle est pas. Attention, contact avant. Down. Quelqu'un à terre, tout le monde va bien. Négatif, c'est bon. Attends, grenade, 3, je lance grenade. Mets l'azimut. Ok, attention, la grenade, approchez pas. Attention. Vous êtes tué en plus. Opération effectuée sur le pick-up. La grenade est partie. Ouais. Bah, mais c'était une grenade infrarouge donc. je te vois. C'est bon, je te vois. Hélico, tu poses. On va capter. Pose sur la Z. Tu poses près d'un autre. On va choper une bombe et va la placer à côté du 4x4 et on va faire péter le 4x4. Question, où est-ce qu'on a des bombes? Dans l'hélico. Non, vous avez plus le même hélico. On a plus de bombes. Plus le même. Bah, un coup daté alors. Ouais. J'y vais. Ne cassez pas. Ouais, attends, non. J'y vais. Ne cassez pas un truc comme vous avez là pour ça. Attention, explosion imminente dans 3, 2, 1. C'est bien le petit paf que ça fait. Moi je dis, pour se prisonnier, il peut être content d'un truc, c'est qu'on a une personne qui a quitté l'escouade, sinon on l'aurait exécuté. je vous ramène à la Bachimera, et après je vous ramène sur Gory Factory. Gory Factory, bien, c'est. Quelqu'un qui a le bas du cœur. Et aurait les sons, du coup, ça bousille les oreilles quand t'es trop près d'un véhicule aérien. Ouais, c'est le Blascore, ouais, c'est normal. Cap, tu montes dans l'hélico, t'es gentil. Guillaume est beau. Ah, il est beau. Il est pas verrouillé, on peut décoller. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est en rose. Mais Guillaume. Attends, mais comme vous le voyez d'ici, d'ailleurs. on est complètement rose, Guillaume, nous. Ouais. Comment ils ont fait pour être revive ceux qui se sont fait Guillaume, oh. Vas-y, Une main de Dieu. L'invocation mystique. Ah, oh, c'est beau.
Ou alors sinon Guillaume, tu l'exécutes un multijoueur pour tout le monde. Ça va faire des trucs drôles. Il y a encore un truc que j'ai pas réussi à trouver, c'est changer de couleur la tourelle. La tourelle d'un tank? Ouais, d'un tank. Là, c'est un mari qui est rose, mais... Il y a un problème avec le rose, je crois. Nos alliés font une attaque sur foot, ce qu'on pourra faire, nous, c'est... Ah oui, une bonne attaque, une bonne grosse attaque. Là, les gars, je pense qu'on va faire une attaque après Gori. Si ça marche, ce qui va sûrement pas se passer... C'est on va aller sur Oreo Castle, mais en gros l'hélico va nous poser à 100 mètres à côté quoi. Et quoi, 100 mètres? Ouais, en gros un assaut Hitler. Exactement. Un posé d'assaut quoi. Un posé d'assaut, ouais. Tu vois, même tu vois, on aurait une fob ou autre, je ferais construire t'as les gros transports de véhicules. Je prendrais deux prowlers armés, je ferais les posés d'assaut avec ça. Tu sais qu'il y a des modes FR où t'as les assez les... Ouais, ils commencent, mais il y en a des bons là, il y a Opération Fresh Point qui arrive et t'as French Mode qui arrive aussi et ils sont extrêmement beaux, extrêmement bien faits. Ah oui, c'est vrai, French Mode, oui, il est tout frais, tout beau. Le bot rose là. Alors personne débarque, hein, sauf ceux qui ont besoin de munitions comme d'habitude, moi je vais faire débarquer le prisonnier. J'ai une question par rapport à French Point. Ce serait une mission. Ce serait une mission. Vous savez à quoi ça va ressembler. Bah, c'est un add-on pour le, surtout tout ce qui est. C'est trois époques. D'accord. C'est trois époques. C'est Indochine, ouais. Maintenant, temps moderne, futur. Ouais, oui, j'ai vu la vidéo. Ouais. Bah, oui, d'accord. Où il y a tout. Il y a terrain, véhicule, équipement, armes. Porte-avions, charme de vol. Ouais, c'est un bon gros truc quoi. Ouais, Oui, ça fait longtemps qu'il le développe. Hein. Ouais, putain, c'est dégueulasse. Tout le monde sur Gori, on est sur Gori. Mieux le gosse Factory. Encore rose, non. Moi, d'ailleurs, on voyait pas le rose. Sur Gori Factory, Cherenkov. Mais c'était bien, c'était un honneur de vous connaître. Mais c'est moi sûrement en crever. Mais j'adore faire des assauts. Les hélicos roses, j'en reviens, c'est quoi la discrétion. Gori Factory, un posé d'assaut, ouais. Je fais pas. Sur Gori Factory, vous voulez un posé d'assaut? Bon, tu me poses sur la route à côté, quoi. Gori Factory, oui, c'est Ok. Guillaume, tu peux pas nous mettre un camouflage de l'IDAP?